pour toute économie. Le segment des PME est un puissant levier pour la création d'emplois, une force essentielle à la croissance économique et un moyen efficace de lutte contre la pauvreté. Des études empiriques menées par la Banque mondiale ont démontré une corrélation positive entre le nombre de PME dans un pays et son niveau de revenu par habitant. À Maurice, on estime que le segment des PME contribue à environ 40% du produit intérieur brut. 54% des Mauriciens actifs sont employés par des PME. D'ailleurs, au cours des dernières années, l'État mauricien a mis en place de nombreuses mesures et programmes afin de soutenir le segment des PME. Toutefois, parallèlement aux actions de l'État, il est essentiel que les PME mauriciennes se regroupent afin de repenser leur stratégie. Dans le contexte d'un environnement des affaires mondialisé et des opportunités d'exportation en plein essor, notamment dans les pays africains voisins. Les PME mauriciens doivent explorer et établir de manière proactive des modes de collaboration afin de se regrouper et de mettre en commun leur savoir-faire et leurs compétences dans les domaines pertinents, afin de surmonter leurs faiblesses et limites respectives. Une mise en réseau et une collaboration stratégique entre les PME peuvent accroître rapidement et de manière significative leur compétitivité, accélérer leur accès à de nouveaux marchés et leur assurer un développement pérenne. De telles initiatives, qui sont désormais facilitées par les technologies de l'information et de la communication, permettront aux PME de créer la masse critique requise en matière de compétences, de savoir-faire, d'infrastructures, de capacités de production, de capacités d'innovation et de réseaux de contact afin de saisir des opportunités d'affaires plus importantes, en particulier dans les marchés d'exportation. C'est ce que nous pouvons appeler la coopétition, une notion qui se réfère à la coopération entre entreprises concurrentes. De nombreux experts considèrent que la coopétition est une condition préalable à la compétitivité et à l'innovation mondiale, en particulier dans le cas des PME. Ils affirment que la coopétition est une stratégie qui permet aux PME de stimuler leur performance en acquérant de nouvelles connaissances et compétences et en accédant à des capacités complémentaires qui produiront des effets de synergie. En outre, la coopétition permet de réduire les coûts, l'incertitude et les risques liés au développement de nouveaux produits. Cette stratégie collaborative comporte également un ensemble de risques, le principal étant les actions opportunistes émanant de PME partenaires. Les modèles de coopétition exigent donc un environnement où la confiance et l'engagement prévalent, soutenus par le cadre réglementaire approprié. Ainsi donc, les dirigeants et cadres qui évoluent dans le segment des PME doivent réévaluer leur stratégie qui consiste à tout faire seul. Il convient d'analyser objectivement les avantages et les risques de coopération inter-entreprise. Comme le disait autrefois l'auteur américain Augustin Swett Marden, les affaires de nos jours sont plus que jamais une question de coopération.